Dans l'ensemble du match, je pense que on a rendu une copie. On a rendu une belle copie, même si ce but est regrettable. C'est sur un corner encore une fois. Et ça gâche la qualité du match qu'on a proposé. Parce que malgré une équipe mélangée, tout le monde a répondu présent. Et ce but gâche un peu la soirée, mais sinon. On a passé un super stage et on finit par un bon match. On termine la semaine qui a été difficile. Physiquement, on a beaucoup donné. Bon, on voulait finir le stage avec un bon match et surtout un bon résultat parce qu'on a avant tout des compétiteurs. Le temps de remettre en place certaines choses, etc. C'est vrai que ça n'a pas été évident vu de la fatigue, etc. Donc, on a essayé de s'attacher à jouer le plus simple possible et à essayer de gagner. Malheureusement, on se fait revenir en fin de match un peu bêtement, mais dans l'ensemble, on a montré des choses pas trop mal. On aurait préféré gagner le match, c'est évident. Voilà, sur le contenu, je pense qu'on a fait une belle prestation avec des beaux moments. On a été bien en place. Il ne se crée pas beaucoup d'occasions, il marque sur un corner. Donc bon, c'est dommage, mais on retient surtout que la finalité du stage se terminer avec une bonne note, une mauvaise également avec la blessure de Bourriche. Donc j'espère pour lui que ce ne sera pas trop grave, on attend de ses nouvelles. Franchement, on a travaillé sereinement, on ne s'est pas pris la tête, on s'est aidé dans les moments un peu difficiles où il fallait redoubler d'efforts. Et ça prouve un certain état d'esprit. C'est vrai que là, sur la fin du stage, on avait commencé à bosser un peu plus avec le ballon et un petit peu tactiquement. Donc on a essayé de faire des choses. Maintenant, c'est que le premier match, hein, on va pas tirer le plan sur la comète, mais c'est vrai qu'on a mis on a fait des bonnes choses. Maintenant, il va falloir confirmer et enchaîner avec d'autres matchs qui arrivent. On sort de 9 jours très intensifs où on n'a pas lésiné sur les efforts. On est monté crescendo pour bien finir sur le point de vue physique. La chaleur ne nous a pas non plus aidé. On était venu chercher la fraîcheur quelque peu ici, mais bon. On ne va pas s'en plaindre. Je pense que le stage se termine sur une bonne note. Tout le monde est satisfait du travail accompli. Et maintenant, il faudra tout continuer à Lens et à la Gaëtan. C'est toujours plaisant. Hein. Même un match à 5 contre 5 en vacances, c'est toujours plaisant. Là, voilà, on se prépare. Même si ça reste, entre parenthèses, un match amical, en aucun cas, il y a d'amabilité dans ces matchs-là. C'est une équipe qu'on va rencontrer dans notre championnat. Et je dirais que c'était plus un bon match de préparation qu'un match amical. Content ouais, déjà de retrouver ses potes parce que bon, après 3-4 semaines sans les voir, on le dit pas mais il nous manque. Et après ouais, on a surtout bien bossé, c'était important. Avec un nouveau staff qu'on connaît encore peu et qui n'est pas encore au complet, donc vivement de retrouver la Gaillette pour continuer à envisager le reste de la saison. On a travaillé dans la bonne humeur avec abnégation et efficacité, donc je pense que c'est tout ce que recherche un staff de la part de son groupe. Et ils l'ont eu cette semaine. Je tenais à souhaiter bon courage à Benjamin Bourigeaud. Franchement, avant qu'il se blesse, il faisait une super mi-temps et c'est un bon joueur. Et je sais qu'il va revenir et on est de tout cœur avec lui.